Bonjour. Il est journaliste et écrivain et il a tenté de percer le mystère de Jacques Chirac. On est très heureux de le recevoir aujourd'hui au Figaro. Bonjour Arnaud Ardouin. Bonjour Charlotte. Merci d'être ici aujourd'hui avec nous. Vous êtes donc journaliste et écrivain et l'auteur de ce livre à paraître le 5 octobre prochain aux éditions du Cherche Midi, Président, la nuit vient de tomber, le mystère Jacques Chirac. D'abord, la sortie de cet ouvrage, on va le dire tout de suite, elle a fait polémique depuis qu'on en parle, depuis que Paris Match en a sorti les meilleures feuilles. On va dire, Claude Chirac, la fille de Jacques Chirac, s'est exprimée il y a quelques jours chez nos confrères du Parisien pour dire que ce livre avait été fait à son insu et celui de sa famille, et qu'ils en ignoraient absolument tout. Aviez-vous informé Claude Chirac de ce livre ? Oui, absolument. Elle avait lu les épreuves. Donc moi, je ne veux absolument pas polémiquer sur ce sujet, parce que je pense que ça, à la fois, ça dessert le livre et ça fait sortir en fait, le contenu de ce livre véritablement de ce que j'ai essayé de faire. Fondamentalement, oui, Claude Chirac a lu les épreuves. Elle m'a fait supprimer un extrait que j'ai d'ailleurs supprimé. On a eu une discussion très cordiale et très positive. Voilà. Pourquoi a-t-elle réagi de cette façon, publiquement ? Je ne sais pas. Il faut lui demander, peut-être il faut l'inviter sur ce plateau et lui demander, parole d'expert, ses confidences. Mais moi, je n'ai rien de plus à rajouter objectivement parce que ce livre, j'y ai consacré 3 ans de ma vie. Et c'est vrai que le buzz médiatique, c'est-à-dire Internet, la bulle Internet, a provoqué quelque chose qui n'est pas ce qui est écrit dans mon livre. Voilà, on a beaucoup supputé sur un livre que peu de confrères avaient lu et je vous remercie d'avoir pris le temps de le lire. Et c'est vrai que c'est un petit peu agaçant d'avoir consacré des entretiens très longs avec tous les grognards, tous les amis, tous les proches, quasiment jusqu'à Sciences Po. J'ai retrouvé des amis de Chirac à Sciences Po pour me retrouver accusé d'une manière mais tout à fait fallacieuse de dévoiler l'intimité du président. Oui, d'ailleurs, à ce propos, on sait que Jacques Chirac a décidé il y a quelques années de se retirer de la vie publique. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, avec cet ouvrage dans lequel vous révélez la vie qui est la sienne aujourd'hui, de vieil homme de 84 ans, qui ne peut plus marcher, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir manqué de respect vis-à-vis de l'ancien président de la République ? Non, objectivement, je ne crois pas. Je crois que Jacques Chirac est évidemment le père de sa fille, c'est le père de ses enfants, c'est le mari de sa femme, bien entendu. Mais Jacques Chirac, c'est tout autre chose. C'est un homme qui est l'homme le plus populaire, sondage IFOP. C'est un homme qui, aujourd'hui, est une sorte de vieux sage. Et d'ailleurs, je le raconte précisément dans ce livre. Beaucoup de femmes et d'hommes viennent dans ce bureau, sachant qu'il est effectivement malade, amoindri, mais viennent chercher quelque chose chez lui qui est de la lumière. Je pense que c'était utile pour les Français qui aujourd'hui en sont un peu orphelins, il faut le dire, c'est vrai qu'il s'est coupé du monde, de savoir que cet homme continue aussi à recevoir malgré du monde. Malgré sa maladie ? Oui, malgré sa maladie, malgré la difficulté, malgré la vieillesse, parce qu'après tout, ce livre nous renvoie à nous-mêmes. Il nous renvoie à nous, enfants, qui aurons un jour à aider peut-être nos parents. Ce que fait Claude est merveilleux. Elle est au chevet de ses parents, elle s'investit. Et puis ça, c'est aussi notre propre fin de vie. Voilà pourquoi, comme ça, mettre cette cloche. Il y a beaucoup, beaucoup de pudeur et de bienveillance dans ce livre. Nombreux sont les ouvrages déjà qui sont parus sur Jacques Chirac. On a quand même l'impression d'en connaître suffisamment aujourd'hui. Vous avez l'impression que les Français n'en savaient pas assez, n'en connaissaient pas assez sur lui. On se demande quelle est la motivation à l'initiative de cet ouvrage. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'aller jusque dans ces profondeurs-là, dans ces secrets-là, dans cette intimité-là ? C'est une excellente question. Oui, il y a eu, je crois, plus de 110 livres écrits sur Jacques Chirac, notamment sur la période politique. Moi, j'ai essayé simplement de savoir ce qui se cachait derrière l'homme. Le Chirac connu, celui qu'on connaît tous, journaliste, ce battleur, cet homme de meeting, bref, il y a un autre homme qui se cache derrière Chirac. Et c'est cet homme-là que j'ai essayé de percer en démarrant d'un postulat écrit dans un livre qui date un tout petit peu, où il était écrit que Jacques Chirac avait soigné un ministre. Et quand j'ai lu cette phrase, il y a maintenant 5 ans, puisque ce projet remonte à 5 ans, j'ai trouvé ça complètement hallucinant. Et je me suis dit, mais cet homme qui tapait le cul des vaches, qui buvait, qui mangeait la charcuterie, en fait, il y avait un autre Jacques Chirac. Et j'ai essayé, je ne sais pas si j'ai d'ailleurs réussi, ça sera au lecteur de me le dire, mais d'essayer d'aller vers sa spiritualité, vers son âme en quelque sorte.
On va juste revenir un petit peu sur cette polémique parce que l'objet, simplement, de la polémique, il est issu en fait de certains passages du livre et de certaines révélations qui sont du fait d'un homme qui s'est confié à vous. Cet homme-là, c'était Daniel Lecomte. Il avait consacré une grande partie de sa vie à Jacques Chirac. Il est décédé brutalement en juillet dernier, mais il avait eu le temps de valider les épreuves du livre avec vous. Pourquoi lui avait choisi de raconter son quotidien secret avec l'ancien chef de l'État ? Oh, très sincèrement, oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça reste un mystère et il est parti avec ce mystère. Je crois que Daniel vouait un amour considérable à Jacques Chirac. Il l'a rencontré à 22 ans, je le raconte. Il découvre Jacques Chirac en train de tirer sur des bouteilles de Glenfiddich avec Pierre Juillet. Jacques Chirac est un jeune politique. Et Daniel Lecomte voit cet homme. Il est loin de lui. Et il y a quelque chose comme ça de la révélation. Puis, évidemment, fera toute la bataille politique de Paris jusqu'à la conquête de Paris, puis jusqu'à l'Élysée. Donc, c'est bien plus qu'un garde-malade ou un confident. C'est un grognard. Il l'aime. Et quand oui, quels sont leurs rapports? Quels sont leurs liens? Qu'est-ce qui les unit tous les deux? Alors, ce qui les unit, c'est de toute évidence, en tout cas, j'essaie de le raconter dans le livre à travers quelques petites blagues, quelques anecdotes. Chirac a beaucoup d'humour, il aime les blagues, un peu gauloises. Et ça, Chirac, il aime bien lui faire ses blagues. Daniel aime les blagues de Chirac, Chirac rigole. Donc ça fonctionne. Et puis, il y a aussi beaucoup de respect parce qu'il l'appelle le président. Oui. À chaque entretien, il m'a parlé du président. Mmh. Il était soucieux et c'est pour ça qu'il a souhaité... alors, je précise que Daniel est un quart du livre. Il y a encore plein d'autres personnes à découvrir. Mais Daniel voulait qu'on le respecte. Il voulait qu'on, voilà, il voulait qu'on l'aime. Mmh. Je crois que c'est peut-être le message qu'il a voulu nous faire passer. Mais il est parti avec ce mystère, en effet. Il révèle les détails d'un quotidien qui, aujourd'hui, s'est un peu dégradé depuis l'écriture de ce livre. Qu'en est-il de ce quotidien, justement, de Jacques Chirac? Vous parliez de ses interlocuteurs qui viennent le voir, ils viennent du monde entier, d'ailleurs. Mmh. Comment ça se passait? Vous précisez que Daniel Lecomte, justement, a la faculté de rester en présence de Jacques Chirac, d'écouter ses silences. Qu'est-ce qui se passait, en fait, à ces moments-là? Ce qui se passe et ce qui se passait, c'est que Jacques Chirac, évidemment, ayant une mémoire un petit peu plus lente, plus difficile, Daniel venait s'interposer dans la conversation et apportait, en fait, mettait les mots entre les phrases, parfois dans les silences. Il avait un rôle très important aussi de cet homme qui aidait Jacques Chirac à lire la presse, à s'informer, à rester en contact avec le monde. C'était très important pour lui de faire ce travail cérébral d'information. C'est un président, cet homme aurait sauté dans un avion, je le dis. Quand il voit les djihadistes sur les chaînes d'information, sur les attentats, on imagine, c'est moi qui évidemment me transpose, mais on imagine Chirac prendre un avion, aller en Jordanie, aller en Syrie. Bref, et là effectivement, c'est un vieil homme, tout simplement, donc qui est aujourd'hui sur son fauteuil et qui regarde le monde passer devant lui. Et Daniel, c'est un petit peu une porte sur le monde, c'est une porte sur la vie. Et ils se ressemblent. Voilà, le début du livre, effectivement, il fume des cigarettes, il veut fumer une cigarette. Il y a une sorte de grande fraternité, mais aussi beaucoup de respect. Tout à fait. D'ailleurs, ça se ressent énormément dans les propos que vous retranscrivez. C'est Claude Chirac qui l'a fait venir auprès de son père. C'est elle qui le lui a demandé. Elle est comme une vestale, vous le dites. Elle est gardienne du temple. Une vestale infatigable. Infatigable. Elle et son entourage, il faut sans cesse apporter la preuve que le patriarche est toujours bien vivant, qu'il a toujours l'esprit clair. Et vous dites que Daniel Lecomte vous a confié une méthode. Il a une méthode justement pour essayer de donner l'illusion que Jacques Chirac a toujours toute sa tête vis-à-vis des interlocuteurs qui viennent le voir. Oui, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire que sa technique, c'est que 3-4 minutes avant l'entretien, avant que l'interlocuteur entre, ça peut être un ancien ministre chinois, ça peut être un ambassadeur, ça peut être une personnalité en tout cas, il va lui répéter plusieurs fois qui il est afin que Jacques Chirac soit en capacité de pouvoir avoir un échange. Et je trouve ça de toute beauté, c'est-à-dire qu'il maintient Jacques Chirac dans la vie et c'est très beau. Et c'est très beau, et donc ça lui demande évidemment pour lui, Daniel, un effort, parce que il faut être très concentré. Ce sont des personnalités souvent de premier plan, parfois des amis, parfois des gens qui ont eu des fonctions éminentes. Donc voilà, Daniel, il est là un petit peu pour mettre des mots dans l'espèce de pointillé du langage. Voilà, c'est un peu ça. Et il a une confiance absolue en Daniel, parce qu'il s'apprécie. Claude Chirac veille scrupuleusement sur son père, on l'a dit. Elle cultive aussi beaucoup le secret autour de l'état de santé de son père, à tel point qu'on apprend par exemple que Jacques Chirac a été victime d'un semi-coma dû à une interaction médicamenteuse. Cette information-là, elle n'a pas forcément été divulguée au public. Pourquoi il y a une telle chape de silence sur l'état de santé de Jacques Chirac ? Vous avez raison. C'est
Depuis que Jacques Chirac est président, il y a un grand mystère. D'ailleurs, ce n'est pas un mystère que pour Jacques Chirac, c'était aussi un mystère pour François Mitterrand. On se souvient des différents bulletins médicaux. C'est la santé d'un chef d'État ou d'un ancien chef d'État reste un sujet assez sensible, il faut le reconnaître. Néanmoins, effectivement, il sera victime d'un mélange de médicaments qui lui ont été malencontreusement donnés, d'anxiolytiques et ce qui fait que Jacques Chirac, effectivement, partira dans le coma, sera sauvé, et ce qui d'ailleurs le rend, parce que je crois que je le dis de cette manière, un peu inoxydable. Oui. Il est inoxydable, il est mort plein de fois, Jacques Chirac. Tout à fait, politiquement et physiquement. Politiquement, physiquement, sur Internet. Et passionnément aussi, avec ses certains rapports avec certaines femmes. Oui, oui. Il s'est brûlé. Il a brûlé la vie, Jacques Chirac. Alors, Daniel Lecomte n'est pas le seul interlocuteur que vous avez interviewé, contrairement à ce qu'on peut croire ou ce qu'on peut lire ces derniers temps. C'est vrai. Ce livre est bourré farci, on va dire, d'interventions de tiers, de gens qui l'ont approché de très près, qui ont été ses proches, ses anciens collaborateurs. On va les citer pour certains. Il y avait Jean-Louis Debré, François Baroin, Jacques Toubon, Pierre Péan, Anne Kerschach, Pierre Bédier, Anne Lauvergeon, Denis Tillignac, j'en cite, mais il y en a plein d'autres. Et chacun d'eux livre effectivement des épisodes de la vie de Jacques Chirac et qui sont autant de clés pour comprendre la complexité du personnage. On comprend mieux, par exemple, sa boulimie de corps et de sexe, c'est la formule que vous utilisez, son intérêt, évidemment, pour les arts premiers, et aussi pour comprendre sa capacité à tendre la main. Et ça, cette capacité-là qu'il avait à rendre service, cette humanité-là dont il était pétri, elle se révèle dans une confidence que vous fait Jean-François Lamour, l'ancien ministre des Sports, au sujet de Zinedine Zidane. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette petite anecdote? C'est une anecdote que je trouve extraordinaire. Alors, j'ai bien sûr, parce que vous allez me poser la question et je l'anticipe, essayer de contacter Zinedine Zidane, mais peut-être qu'à l'issue de ce livre que je vais lui envoyer, peut-être aurons-nous enfin le secret. Jacques Chirac est à l'Olympiaco Stadium, à la finale, cette fameuse finale France-Italie, le fameux coup de boule de Zidane. Dans le thorax, oui, tout à fait. Dans le thorax, voilà, Materazzi, on se souvient de cette image, un Zidane qui part tête baissée, qui va s'enfermer dans les vestiaires, mais pas dans le vestiaire principal, mais dans une petite salle attenante au vestiaire. Et puis, le président, l'entraîneur, Jacquet, évidemment, sont déçus. On a perdu. Bref, c'est la Bérésina. Et puis, Jacques Chirac, seul, pousse la porte de cette petite salle où est enfermé Zinedine Zidane comme un gamin qui vient de perdre une partie de football. Et il rentre. S'enferme 20 minutes avec Zidane, alors que Zidane est entré effondré. Il ressort avec Jacques Chirac et c'est un Zidane qui a retrouvé, en tout cas, qui a retrouvé un peu le sourire. Relevé la tête, on peut dire, malgré. Qui est droit. Et le président l'accompagne. Et on ne sait pas ce qui s'est dit entre ces deux hommes. J'ai essayé d'appeler Aimé Jacquet, j'ai vraiment tout essayé. Aimé Jacquet, vous savez, il y a eu des difficultés avec les journalistes. Il en veut un petit peu aux journalistes pour les raisons que vous connaissez, notamment aux journalistes de l'équipe. Malheureusement, je ne suis pas à l'équipe, mais néanmoins, il n'a pas voulu me dire. Alors, Jean-François Lamour aussi essaye. Il essaye, il dit Jacques Chirac, mais qu'est-ce que vous êtes dit? Jacques Chirac ne dit rien. Et ça donne un petit côté, effectivement, assez mystique de ce personnage. Tout à fait. Et un petit peu de chaman, un peu. Et bien, justement, il y a un passage du livre qui résume parfaitement, en fait, la complexité de Jacques Chirac, sa personnalité. Jacques Chirac a le corps d'un guerrier et l'âme d'un poète. C'est à la fois un rustique et un homme très fin. En Afrique, il aurait été sorcier. En Amérique du Sud, chaman. Maître bouddhiste en Chine. En France, il est devenu président de la République en prenant soin de ne dévoiler qu'une infime partie de lui-même, comme s'il y avait eu une erreur d'aiguillage. C'est moi qui ai écrit tout ça ? Tout à fait. Mais écoutez, c'est très beau. oui, c'est exactement ça. Je pense que cet homme est un Africain blanc, un chaman. Il est porteur d'énergie qui viennent d'ailleurs. Ne me demandez pas comment, mais en tout cas, on a le sentiment qu'à travers ses prises de position, la façon dont il regarde le monde, il n'est pas qu'occidental. Jacques Chirac, ce n'est pas qu'un occidental. C'est un homme qui est pétri d'énergie venant d'Asie, venant d'Afrique. Et ça, il s'en nourrit, mais secrètement. Et mais c'est oui, mais parce que mystère. Cette image de Jacques Chirac, on ne l'a pas forcément eue. Même des proches autour de lui s'étonnaient encore de ce rapport qu'il avait, effectivement, à la culture asiatique, et puis ses talents qu'il avait, possiblement, de guérisseur. Ses mains, dont on a beaucoup parlé, ses mains qu'on a beaucoup vues quand il a été élu, puis quand il est parti, cette main qu'il serrait à tour de bras, on va dire. Et dont il se bandait les doigts de spardrap. Tellement elles étaient fatiguées à la fin de la journée. Ses mains, a priori, ses mains ont guéri et il avait le talent de guérisseur. C'est en filigrane dans votre livre, elles sont au fil rouge du livre pratiquement, elles auraient sauvé Pierre Bédier. C'est cet homme politique dont vous parliez au début de l'émission. Pierre Bédier aurait ressuscité grâce à Jacques Chirac. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Elle aurait, encore une fois, je reste très prudent, moins sûr. Je le dis d'ailleurs, cette anecdote peut rester dans l'histoire.
On peut canoniser Jacques Chirac ou alors on peut l'acheter aux orties en disant mais tout ça ce sont des balivernes de sorciers ou de vieux sorciers de Corrèze. Mais néanmoins, Pierre Bédier me dit droit dans les yeux, oui, il me restait 4 jours à vivre. Et c'est d'ailleurs la thèse du livre, c'est la réflexion que je mène autour de Jacques Chirac, espèce de force. On parle d'humanisme, de charisme. Eh bien, là, effectivement, il va rentrer dans la chambre d'hôpital. Il va mettre la main sur l'avant-bras. Pierre Bédier a une très, très grave maladie. On lui a donné 4 à 5 jours. Donc, c'est une situation dramatique. Et Jean de Boyu raconte le contre-champ, parce que je crois que Pierre Bédier n'avait pas eu ce contre-champ. Le matin, Jacques Chirac fait campagne. Alors là, c'est l'homme politique qui serre des mains. Et puis, il dit à Jean de Boyu, qui est un proche, il fait campagne dans l'Essonne, en soutien de Jean de Boyu, qu'il apprécie beaucoup. Et il lui dit, à 13h, je serai parti, parce que je dois aller à l'hôpital. Alors Jean de Boyu, un peu étonné, lui dit, mais pourquoi? Et il lui dit, parce que j'ai un Bédier, tu étais au courant, tout le monde savait évidemment dans le RPR que Bédier était malade, je vais à l'hôpital pour l'aider. Et Boyu, c'est l'hôpital qui lui a demandé, en disant qu'il a fait. Et Boyu lui dit, mais c'est l'hôpital qui me demande. C'est-à-dire que tout d'un coup, Chirac se retrouve dans une situation où il se met en position d'aider. Et effectivement, Pierre Bédier, que j'ai revu et qui aujourd'hui... Et c'est sur des gens très heureux, qui est président du conseil départemental des Yvelines. Enfin, c'est un homme extrêmement vif. Même lui se dit, mais effectivement, je lui dois beaucoup à Jacques Chirac. Lui n'était pas forcément en phase avec ses, ce magnétisme, tout ça. Mais néanmoins, c'est un fait. C'est un fait. Voilà. Après, le lecteur se fera son opinion. Mais tous les mots qu'on a tissés autour de lui viennent tourner autour de la même idée, en fait. C'est charismatique, humaniste, chaleureux. On n'oublie jamais sa poignée de main. François Baroin, quand il lui met la tête, sa main sur sa tête, c'est un gamin, Baroin. Il a 8 ans, quand il le rencontre la première fois. Mais il m'en reparle comme ça. Il me dit, mais je me souviens tellement de sa main. Alors il me dit, peut-être parce qu'il était grand. Chacun essaie de trouver une manière détournée de ne pas le dire. Mais en tout cas, chacun... Pour ceux qui ont croisé Chirac, moi je l'ai croisé une ou deux fois, c'est vrai qu'on ne reste pas insensible à sa présence. C'est une évidence. Alors pourtant, vous dites que beaucoup ne veulent voir de Chirac que son enveloppe extérieure, la bête de scène, rusée, appétissante par sa passion pour les arts premiers, qu'ils ne prennent pas au sérieux, ni à sa force d'ailleurs. Oui, c'est vrai que ses copains trouvent, ils appellent ça des chinoiseries. On s'en moquera, nous, journalistes, dans une période après 95. On pensera même qu'il utilise cette espèce d'érudition un peu exotique pour faire campagne. Et en fait, non. Non, parce qu'à l'aune de mes rencontres, je découvre qu'en fait, c'est un homme qui devient, au fil des années, un expert. Mais il est capable de dater. Expert en bronze chinois. En bronze chinois. Oui, tout à fait. Il peut mettre sa main, donc cette fameuse main de Jacques Chirac, il pose sa main et il date. Enfin, je trouve ça ahurissant. Enfin, il crée un incident diplomatique à Shanghai, un aéropage gigantesque. Et là, tout d'un coup, c'est une panique. Et il dit non, cette œuvre n'est pas une œuvre. Il contredit un grand spécialiste, si ce n'est le plus grand spécialiste de l'art chinois. Exactement. Et c'est vrai que là, il y a une sorte de malentendu diplomatique, chacun chuchote. Et puis, c'est Christian Dédier qui témoigne assez longuement dans le livre, qui est lui aussi un expert, un archéologue, un aventurier, parce que Jacques Chirac aime les aventuriers. Ses amis sont des aventuriers. Depuis qu'il est petit. Depuis qu'il est petit, il veut être aventurier. Alors il devient président, parce qu'on l'a emmené sur ce chemin, mais je pense que Jacques Chirac aurait évidemment rêvé d'être Gengis Khan, ou d'être un archéologue ouvrant des trésors. Vous le dites à un moment donné que son ambition, après la direction du pays, on va dire, c'était de devenir archéologue. Oui, il l'a dit, j'aimerais bien être archéologue. En fait, il n'a jamais vraiment vécu la vie dont il rêvait, donc il l'a vécu à travers ses amis qui sont en fait des hommes secrets, qui ne sont pas très médiatiques. Jacques Kerschach, avec qui il a fait le musée du Quai Branly, et Christian Dédier, c'est des gens qui sont connus dans le milieu de l'art, mais qui ne sont pas des vedettes. Mais ces gens-là, il a partagé des moments d'une très grande intensité avec eux. Puis je pense que surtout, il a été heureux avec eux. Arnaud Ardouin, entre l'image que vous aviez de ce président Jacques Chirac avant de démarrer le travail de ce livre et celle que vous en avez aujourd'hui, après cette enquête de 3 années, elle a changé. Ah oui. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Qu'est-ce que vous avez dorénavant comme image de lui? C'est une question très intéressante. Bien sûr que mon image a évolué. J'ai découvert un homme pétri d'humanité, paradoxal. L'humanité, je la pressentais comme journaliste. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé chez cet homme, c'est une espèce de paradoxe permanent, une espèce d'équilibre précaire. Avec des vecteurs très contradictoires, à la fois une très grande générosité, mais en même temps, parfois beaucoup d'égoïsme, une ambition débordante et en même temps l'envie d'être seul. Jacques Chirac, c'est une sorte de vecteur très contraire et qui, grâce à ces vecteurs contraires, viennent s'équilibrer, en fait, viennent créer une forme d'équilibre. Et c'est ça qui fabrique ce personnage un peu étrange, presque cinématographique selon moi, parce que c'est un vrai personnage de roman. Il a eu 1000 vies, Jacques Chirac. Et je pense que ce livre n'est que le début
j'ai ouvert une des portes d'une des pyramides égyptiennes et je pense qu'il y a encore des cachettes secrètes qu'il a gardées. Il avait une telle densité de travail, de mysticisme, que je pense qu'il a caché des choses. Voilà, c'est un début. Vous serez probablement peu chanceux de pouvoir le rencontrer. Aujourd'hui, les visites qui lui sont dédiées, elles sont extrêmement limitées de par son état physique et puis parce que Claude Chirac empêche aussi maintenant de plus en plus les gens de venir l'approcher. Ça ne vous frustre pas aujourd'hui, d'après le travail que vous avez fourni, de vous dire que vous ne rencontrerez jamais cet homme-là, aujourd'hui, à l'âge qu'il a ? Alors d'abord, moi, je l'ai rencontré dans son activité de président, dont j'en suis très fier. Oui. J'ai même été pris en photo avec lui totalement par hasard. Oui. Non. Objectivement, non, parce que je trouvais intéressant, sur le plan de la construction de ce livre, de tourner autour de lui, d'avoir comme ça des caméras qui tournent autour de lui et qui puissent en faire le portrait. Pierre Péan l'a eu en face de lui. Pierre Péan, je le cite dans le livre parce qu'il faut lui rendre hommage, c'est le seul à avoir fait ce livre un peu essentiel sur la spiritualité du président. Donc oui, Pierre Péan a été le premier à le faire. Moi, je suis dans ses pas. Je trouve que, bien sûr que si j'avais pu avoir un entretien de 2 heures avec lui pour lui poser toutes les questions que vous me posez, mais c'était intéressant de brosser le portrait de quelqu'un uniquement à travers ses proches, très intéressant, sans forcément demander l'avis au principal intéressé. Arnaud Ardouin, on a quelques minutes pour répondre aux internautes qui nous suivent en direct en ce moment. Donc j'ai quelques questions de leur part à vous poser. C'est tout de suite question des internautes. Booster s'étonne. Qu'est-ce qui fait selon vous que Chirac est tendance en ce moment ? C'est vrai qu'il a été beaucoup critiqué sur la fin de son deuxième mandat. Il est parti un peu en mettant le public à dos, on va dire. Les Français ne l'aimaient pas trop. Sur la fin, qu'est-ce qui aujourd'hui fait qu'il est devenu tendance ? Alors moi, je laisserai les journalistes politiques ici au Figaro, et ils sont éminents de faire le portrait de cet homme politique qui n'a pas été le plus grand des présidents. Mais aujourd'hui, il est tendance parce que les Français sont à la recherche d'une figure tutélaire, du sage, de celui qui a fait la paix. On a oublié d'en parler, mais... Justement, à propos de la paix, il est en lice, entre guillemets. En tout cas, la candidature de Jacques Chirac au prix Nobel de la paix, qui doit révéler le nom du prix Nobel de la paix ce vendredi 6, des gens ont candidaté pour lui, ont déposé sa candidature. Qui sont-ils d'ailleurs, ces gens qui veulent qu'il soit... Des hommes politiques, parmi lesquels des tout proches, et notamment Jean-Marc de la Sablière qui est cité, et qui fut celui qui, avec Dominique de Villepin, qui furent les acteurs en fait, de la paix, ou en tout cas du refus de faire la guerre. Donc des hommes qui l'ont connu sur le plan politique, mais aussi, je dis Jean-Marc de la Sablière, parce que c'est quelqu'un qui est très important dans la diplomatie, et qui, lui, l'a ausculté sous l'angle de homme de paix, homme de guerre. Pas si simple. Il était à la fois amoureux de cette guerre d'Algérie, qu'il a adoré par-dessus tout. Il a aimé faire la guerre, parce que pour lui, c'est une forme de liberté absolue, et il ne s'en est jamais caché. Et en même temps, il était attaché à la paix, et grâce à lui, nous n'avons pas fait la guerre en Irak. Pourquoi aujourd'hui des tendances ? Parce qu'aujourd'hui, dans cette espèce de blogosphère, de monde Twitter, de l'actualité, ben, il fait figure, comme tous ceux qui ont pu pousser la porte de son bureau, eh bien, il fait figure de sage, de vieux sage. Voilà. Et donc, on cherche ça, évidemment, cette espèce Vous de figure. Vous pensez qu'il pourrait obtenir ce prix ? Ou d'autres aujourd'hui qui sont en lice ? J'ai pas d'informations sur le lobbying fait par ce groupe, parce qu'il y a évidemment un travail d'explication, il faut justifier tout cela. Qu'est-ce que ça signifierait qu'il l'obtienne, par exemple ? Bah, ça serait symboliquement très très fort, ça voudrait dire qu'on reconnaît en Jacques Chirac un homme qui a contribué à la paix, et évidemment, en première ligne, c'est le nom, qui était un moment incroyable. On va en souvenir. À la guerre en Irak, c'était un moment historique. On a applaudi. Pour la première fois, dans cette enceinte, on n'applaudit pas. Et là, Jean-Marc de la Sablière me dit, pour la première fois, moi qui étais habitué, on a applaudi. Je me souviens après des Français. Le discours de Dominique de Villepin. Mais bien sûr. Et Jacques Chirac était touché par ce... Je pense que ça va rester. Et les Français le remercient pour ça. J'en suis intimement convaincu. Mais justement, il y a Germain qui dit Jacques Chirac était un grand monsieur et un bon vivant, très humain. Est-ce que vous partagez cet avis-là ? Ah oui ? Oui, encore une fois, c'est l'homme des paradoxes. C'est l'homme qui peut s'asseoir pendant des heures, lire un livre sur des œuvres taïnos, lire et en même temps qui demandait un plat de charcuterie à 10 heures dans son avion, qui en même temps a eu une vie, mille vies, une vie incroyable. À propos justement de son expertise sur les arts premiers, il avait aussi, c'est une autre anecdote que vous livrez, une sacoche noire qu'il avait avec lui en permanence. Il ne quittait pas son bureau sans cette sacoche. Dans la voiture, il la rouvrait. À l'Assemblée nationale, il pouvait la rouvrir.
Elle contenait quoi, cette sacoche ? Il lisait ses documents avec une intensité exceptionnelle. Alors, beaucoup l'ont vu. Quand tous les proches de Jacques Chirac, et c'est pour ça que c'est intéressant, cette polémique artificielle, parce que tous ceux qui ont relu ce livre, parce que bien sûr, ils l'ont relu, s'ils avaient estimé que j'avais franchi les limites du respectable, ces personnes éminentes auraient dit « je ne participerai pas à ce livre ». Et toutes m'ont félicité pour la qualité de ce livre. Donc, ce qui me rassure beaucoup sur, évidemment, cette polémique là, naissante, mais qui, à mon avis, va très rapidement tarir. Mais cette sacoche, elle est marron ou elle est noire ? On ne sait pas trop. Peut-être marron, peut-être noir, dans laquelle, effectivement, régulièrement, à l'hôtel, dans la voiture, et encore d'ailleurs assez récemment, quand il avait encore la capacité d'aller à la fondation et de repartir chez lui, bah, de temps en temps, il ouvrait ses... Alors, dedans, c'est... Alors, les planches ont été dévoilées dans un très beau livre qui est sorti avec son dossier de Sciences Po, son livret militaire, c'est ce qu'on appelle un beau livre, un coffret, et on a des planches, alors à la fois des planches anatomiques qui resituent l'histoire de l'humanité à travers les sapiens, les homo sapiens. Donc ça, il les apprenait par cœur, il les connaissait par cœur. Puis, il y a toute l'évolution de la Terre, de sa naissance, jusqu'à la découverte de l'écriture, jusqu'à la découverte de la peinture, comment on faisait de la peinture. Enfin, il va jusqu'à un niveau de détail que moi, je ne connaissais pas. Il parle des châtels péroniens, par exemple. Oh, alors je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et effectivement, ce sont des sous-catégories sous les sapiens. Bref, et il avait besoin... Assez régulièrement, lorsqu'il était dans un moment de calme, je me souviens de quelqu'un qui me racontait qu'il était à l'hôtel après une conférence à l'étranger. Dans l'obscurité, la petite lampe, il regarde, il se plonge, il revient à ses origines. Voilà, ça c'est quelque chose qui l'a beaucoup interloqué, c'est l'origine de l'être humain, son origine à lui, l'origine de l'humanité. C'était d'ailleurs peut-être un des points communs qu'il avait avec François Mitterrand. C'est vrai. On laissera aux internautes le soin de découvrir le contenu de ce livre. Et aussi un autre épisode qui est vraiment assez particulier, c'est peut-être qu'on l'avait déjà appris par ailleurs, moi je ne connaissais pas que Jacques Chirac a refusé qu'on touche à quoi que ce soit dans l'Élysée quand il a pris le relais sur François Mitterrand. Il voulait laisser toutes les traces que François Mitterrand avait laissé dans l'Élysée, que ce soit la décoration ou même ces traces de chaussures de golf sur le carrelage de la cuisine de mémoire. Oui, c'est tout à fait ça. Merci beaucoup. Merci. On est obligé d'abréger, Arnaud Ardoin. Merci. Votre livre est passionnant. Je le recommande vivement pour connaître un peu plus la personnalité de Jacques Chirac. Jacques Chirac, on connaissait peu sous ses aspects experts, humains et profondément amoureux. Merci encore pour votre venue au Figaro. Merci. Et à demain pour ce qui me concerne. C'est génial. Bonjour.